Félicitations. Ce concours de jardin, mais surtout de balcon fleuri, c'est pour récompenser les Saint-Paulois. Donc il y a un jury, les gens s'inscrivent et on remet un prix à ces personnes. Jardin, les Réunionnais aiment leur jardin, les plantes, et on voit de très belles choses, et notamment sur Saint-Paul, que ce soit dans les bas ou dans les hauts, mais aussi les balcons, parce que souvent on a des balcons et on voit quand on passe dans la rue tous ces balcons qui sont merveilleux avec des plantes, avec soin. Et donc là aussi il y a un prix qui récompense. Et cette année on a une innovation sur une association pour les professionnels, donc association. Donc c'est une association à Plateau Caillou qui embellit le bas d'un immeuble collectif. Chacun y donne la main et c'est vraiment extraordinaire. Là le prix va permettre de rajouter des plantes, d'avoir du matériel et c'est ça qui est important. Et ben, la passion vient de papa, maman. Et depuis ton petit, ce petit plante, ce dans notre jardin, c'est créole. Hein? Ben, mon amour de coin potager, et après, il plante un peu de tout, hein? Des plantes de saison, ben, chaque saison a son affaire. Hein? Donc, moi, un peu de tout. Hein? Voilà. Il embellit, fait un petit peu de bonsaï, mes tailles, mes coupes, voilà, à ma façon, c'est mon jardin. Voilà. Je suis la gagnante du concours Balcon Fleuri organisé par la commune de Saint-Paul. Et donc je suis très contente d'avoir gagné ce prix. Moi je suis une passionnée de plantes depuis que je suis toute petite. Et donc j'habite en immeuble. Moi j'ai toujours voulu recréer mon jardin créole, donc sur mon balcon, c'est les choses que j'ai faites. Et donc j'ai un balcon d'à peu près 15 mètres carrés où j'ai un peu plus de 200 plantes sur mon balcon. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime vraiment. Ben bonjour à toutes. Ben nous l'avons reçu aujourd'hui le premier prix catégorie professionnelle concours jardin fleuri organisé par la mairie de Saint-Paul. Ben, tous les membres de l'association et les très contents. Ils remercient la mairie pour cette action. Et par la même occasion, nous faisons un coucou à tous les bénévoles, toutes les personnes qui œuvrent chaque jour de ce jardin-là. Mais c'est un jardin vraiment de partage et de vivre ensemble. Les moins grands, les seniors, les petits, et tout le monde, quoi, les messieurs, les madames. Mais c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir ce prix-là.